Bonjour à tous, bonjour Benoît Hamon. Bonjour. Les chiffres du chômage sont donc tombés hier, ils sont mauvais même, très mauvais. Avec les frondeurs du Parti Socialiste, depuis longtemps qu'il faut changer de politique. Est-ce que ce matin vous remontez au créneau ? Bon, ben c'est un coup dur, 26 000 chômeurs de plus. 27 même. 27, oui, presque 27. Bon, avec, je crois, on atteint des 630 000 chômeurs de plus depuis le début du quinquennat de François Hollande. Il y a une part de ce chômage qui n'est pas directement imputable à la politique que l'on mène, mais il y en a une part qui est liée aussi à des choix de politique économique, notamment ceux de la rigueur. En clair, on augmente les prélèvements sur les ménages et en même temps, on diminue la dépense de l'État. Quand l'État achète moins, qu'il paye moins bien, et quand en même temps, vous avez des impôts qui augmentent, autrement forcément, l'économie s'affaisse. Autrement dit, c'est la politique du gouvernement qui est responsable, en tout cas en grande partie, de cette montée du chômage. Non, mais le gouvernement savait qu'à partir du moment où il s'engageait dans la rigueur budgétaire, ça aurait ce qu'on appelle un effet récessif, c'est-à-dire qu'il y aurait moins de croissance, et donc un effet sur l'emploi. Il espérait que les résultats viendraient plus vite, à la faveur de quoi ? Des 41 milliards d'euros mis sur la table pour restaurer les marges des entreprises. Il est clair que M. Gattaz, avec son PINS 1 million d'emplois, n'a pas tenu ses engagements. Il n'a non seulement pas tenu ses engagements, mais il en réclame chaque fois plus. Il réclame qu'on remette en cause le compte pénibilité, il veut la remise en cause du contrat de travail, il veut qu'on remette en cause les seuils sociaux. En clair, il réclame la dérégulation sociale. Ce que moi je recommande de ne pas lui céder, parce qu'aujourd'hui il doit tenir ses engagements. Est-ce que le gouvernement a été naïf ? En tout cas, il a fait un pari qui, aujourd'hui, n'a pas réussi, puisque, pour l'instant, peut-être peut-il réussir dans les mois qui viennent, mais pour l'instant, n'a pas réussi. Et surtout, il n'est pas parvenu à ce que le MEDEF tienne les engagements qu'il a pris. Il faut mettre en regard deux résultats. L'engagement non tenu de Pierre Gattaz à faire 1 million d'emplois. Le MEDEF n'a jamais vraiment dit... Ça sera donnant. Il a dit, on fera ce qu'on pourra. Il s'est engagé à faire 1 million d'emplois. Il a pris 41 milliards d'euros. Non seulement il y a ça, mais il y a eu l'année dernière un record absolu de dividendes versés par les entreprises du CAC 40 à leurs actionnaires, 56 milliards d'euros. 56 milliards d'euros. Ce qui nous met aussi, nous situe à l'avant-crise, qui était à peu près le niveau des dividendes versés avant la grande crise financière. Ce qui montre qu'un certain nombre d'entreprises vont bien. Alors, d'autres vont pas bien. Les PME, les TPE, certaines d'entre elles dans certains secteurs souffrent. Il faut sans doute tenir compte, et même pas sans doute, certainement tenir compte de leur situation. Mais on ne peut pas systématiquement aujourd'hui tenir compte des angoisses de Pierre Gattaz sans lui exiger en contrepartie qu'il tienne ses engagements. Mais est-ce que vous dites ce matin au gouvernement, il faut maintenant changer vraiment de politique ? Je redis ce que je disais hier et que je répète. Je pense qu'aujourd'hui, une grande partie de la confiance, en tout cas, et de la croissance reviendra si on soutient le pouvoir d'achat des Français. Il n'est qu'à voir les 0,6% de croissance que nous avons fait au premier trimestre. Ils étaient dus à quoi ? Non pas à la relance de l'investissement des entreprises, moins 0,2, mais à la relance de la consommation des ménages. Quand les Français consomment plus, la croissance redémarre et on crée de l'emploi. Et je pense que plutôt réévaluons les distributions de moyens ou de financement aux entreprises pour réfléchir à des mesures de soutien au pouvoir d'achat des ménages. C'est un petit peu le paradoxe d'ailleurs. La croissance, c'est mieux que prévu. Il y a des éléments positifs. Et puis le chômage, lui, il ne baisse pas. Pour quelle raison ? Il ne baisse pas. Pourquoi ? Parce que d'abord, les entreprises, quand elles restaurent leurs marges, ne créent pas d'emplois. Certaines ne les restaurent pas tout à fait. Que nous n'avons pas suffisamment de pouvoir d'achat pour que les carnets de commandes des entreprises se remplissent. Vous savez, si vous avez une baisse de vos prélèvements obligatoires pour une entreprise, que vous restaurez vos capacités à innover, vous achetez une machine, mais qu'en face, vous n'avez ni de clients en Europe, parce qu'il y a des politiques d'austérité partout en Europe, ni de clients en France, pourquoi ? Parce que le pouvoir d'achat des ménages est contraint. Bah, sans clients, vous avez beau avoir une offre restaurée, ça ne permet pas de relancer la machine économique. Ce sont des règles économiques assez simples qui, aujourd'hui, font dire à plusieurs économistes, je pense à l'ancien chief économiste du Fonds monétaire international, que ces politiques de rigueur budgétaire qui ont été menées par tous les pays européens ensemble ont eu comme effet l'augmentation du chômage et l'affaissement de l'économie européenne, là où elles étaient censées relancer l'économie européenne. François Rebsamen, le ministre du Travail, annonçait hier 100 000 contrats aidés de plus. Est-ce que ça va dans le bon sens ? Oui. Bah, ce qui a permis de limiter la casse,
jusqu'ici sont les emplois d'avenir, par exemple. Et le fait de faire des contrats aidés en plus permettra de limiter l'augmentation du chômage. C'est pas une manœuvre un petit peu désespérée pour faire baisser artificiellement le chômage et permettre à François Hollande de se présenter en 2017? Écoutez, pour l'instant, on a mis 41 milliards d'euros et ça n'a pas créé d'emplois. Donc ça fait quand même cher l'emploi aidé, pour le coup, puisqu'il n'y a pas de création d'emplois. Là, mobiliser 100 000 contrats aidés pour faire en sorte que des hommes et des femmes quittent les statistiques de Pôle emploi et travaillent, moi, ça ne me choque pas, et notamment en période de crise. Je pense qu'en période de crise, c'est là où il faut mettre des moyens sur les emplois aidés. Je vais même vous dire, 100 000 emplois aidés, ça n'est pas suffisant, il faudra aller plus loin. Mais ça n'est évidemment qu'une solution de court et moyen terme, ça ne peut pas être une solution durable. D'ailleurs, l'objectif de ces contrats aidés, c'est qu'ensuite, on bascule d'un contrat aidé vers un contrat classique. Si François Hollande veut se présenter à la présidentielle, est-ce qu'il devra passer par des primaires ? Il y a eu un congrès du Parti Socialiste. Il a tranché cette question. Ce week-end. Oui, mais les votes ont eu lieu. Il a tranché cette question. Il est clair que si François Hollande est candidat à sa succession, Jean-Christophe Cambadélis n'organisera pas de primaire. Si François Hollande n'était pas candidat, ses primaires s'imposeront. Voilà. De votre côté, vous êtes lancé dans un combat contre ce qu'on appelle le burn-out, le surmenage au travail. C'est dû à quoi, ce burn-out ? Alors, contre les conséquences du burn-out. Le burn-out, c'est une montée en pression des salariés, une sorte d'acharnement frénétique au travail, un travail compulsif qui conduit à ce que trop de pression, trop d'exigences sur les salariés. Est-ce que c'est pas lié aussi à la crainte du chômage ? Oui, c'est surtout que la pression du chômage amène à ce qu'il y ait de plus en plus d'exigences dans l'entreprise de performance des salariés et ça les conduit parfois à craquer. C'est pas seulement vrai dans les entreprises privées. On peut trouver dans des grandes entreprises publiques qui se transforment, dans des grandes administrations, des phénomènes de burn-out. Ça concerne 3,2 millions de salariés. Et mon combat, il est simple. Aujourd'hui, vous faites une dépression liée à votre travail. C'est l'assurance maladie qui paye. Je souhaite qu'une dépression liée au travail soit reconnue comme liée au travail et que ce soit la branche accident du travail qui paye. Quelles conséquences à cela ? Inciter les entreprises à modifier leur organisation du travail de façon à prévenir ces affections psychiques. C'est le mal moderne aujourd'hui du travail, le burn-out, c'est l'effondrement, le travail qui broie. Et je pense, j'invite tout le monde à respecter cela et la souffrance des salariés. J'ai vu des commentaires assez condescendants. Madame Parizeau parlant de caricature. Elle a pourtant sans doute autour d'elle, y compris des patrons qui ont été victimes de ce syndrome-là. Ça concerne tout le monde et j'invite à ce que l'on respecte cette souffrance-là et qu'à partir du moment où elle existe, on la prenne en charge comme une maladie liée au travail, et non pas une maladie comme une autre. C'est la raison pour laquelle je me bats pour la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle. Le gouvernement a fait un petit pas, je l'en félicite, mais il faut aller plus loin dans les mois à venir. Merci. Merci à vous.